Donc là, on fait l'écoute musicale. Après l'écoute musicale, on va faire le bord, préparer vos affaires et ensuite on fait l'échauffement. Ok ? 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Allez, bien le regard dans l'expression. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a donc gardé, on va dire, la trame de l'équipe libre de l'an dernier en changeant deux musiques, la première musique et la dernière musique, pour être plus pertinente dans le thème tout de suite. Donc la première musique est plus rythmée et beaucoup plus rapide que celle de l'année dernière. Donc il y a un début de ballet qui est vachement relevé. Avec du coup, ça a amené des petits changements chorégraphiques malgré tout. Et la dernière musique est beaucoup plus joyeuse, donc elle est un peu plus rythmée aussi, mais plus gaie que celle de l'année dernière. Donc ça donne un ensemble de ballet qui est plus pertinent par rapport à la thématique des sentiments. On comprend bien les contrastes. Et dans la chorégraphie, on a pu aller un peu plus loin et dans l'exécution, donc se permettre des choses un petit peu plus difficiles. Et les filles commencent à avoir bien leur marque dessus, donc elles sont capables de faire de belles choses sur cette épreuve-là. Je m'appelle Marianne Quin, je suis capitaine de l'équipe de France de natation synchro et ça fait maintenant 8 ans que je suis membre de l'équipe de France senior et donc c'est mes 8e Open de France. Bah, c'est une compétition qui est un peu particulière parce que pour la première fois, je ne suis pas engagée sur toutes les équipes, je suis que sur l'équipe technique. Mais là, j'ai surtout hâte que ça commence parce que la préparation commence à être un peu longue et c'est une compète en général qu'on a toujours envie de faire nous parce qu'on est devant notre public et du coup c'est souvent un bon moment à passer en tout cas. On a une équipe qui est très jeune et en plus de ça, c'est des nouveaux éléments qui viennent d'arriver. Donc pour tous les pays c'est pareil, hein, c'est des nouveaux éléments qu'il faut apprendre. Certaines d'entre nous les avaient fait en figure imposée, d'autres pas du tout. Donc c'est une nouvelle chorégraphie qui est toute neuve depuis on l'a montée en octobre. Donc on n'a pas eu beaucoup de temps pour l'imprégner, mais c'est une choré qui est assez rapide et mine de rien je pense qu'il y a plein de belles choses dedans. Alors, ce qui est compliqué là, oui, c'est surtout les éléments, d'être synchro et d'être dans les bonnes formations, beaucoup. Mais il nous reste encore demain matin pour travailler. Après, c'est sûr que ce n'est pas le rendez-vous de l'année, hein. C'est pas notre objectif de l'année. Donc là, le but, c'est vraiment de sortir le meilleur de ce qu'on sait faire. Et c'est sûr que ce ne sera pas parfait, mais en tout cas, il faut déjà faire une belle impression aux juges pour les championnats d'Europe de cet été. Déjà l'année dernière, on avait une différence d'âge comme ça assez conséquente. Alors, plus les années passent, plus ça se creuse, mais c'est des filles qui sont toutes fraîches et qui ont plus d'envie, c'est de bien faire les choses. Donc, on a une équipe qui est hyper compétitrice, donc c'est assez positif, je trouve. Et nous, Lifino et moi, par exemple, qui sommes les plus âgés, ça nous met un peu de fraîcheur quoi, là-dedans. Et en même temps, je pense qu'on se complète pas mal. C'est assez... On a encore des niveaux et des façons de nager qui sont assez hétérogènes, mais je pense qu'au fur et à mesure de l'année, ça va se mettre au même niveau et ça va être de mieux en mieux. Mais non, je trouve ça positif et puis
on a des objectifs forts quand même avec la Paris Pro Tokyo 2020 et avec les Jeux de Paris 2024. Donc c'est quand on a quand une équipe a des objectifs forts, ça rassemble pas mal et ça soude pas mal. Donc c'est positif. Tout le monde est d'accord ? Ouais. Allez, on y va. Allez, filles, au taquet, hein. Ok. Il y a déjà les autres nations, il y a déjà les équipes, les juges, les autres équipes de combat. Allez ! Allez, pas de retenue. Portée par la musique comme hier. Ouais. Et... 1, 2, 3, elle ! Fatiguée. T'es lente, hein ? Ouais, fatiguée, mais motivée. Enfin, je suis pressée que ça commence. Parce que là, c'est long, les entraînements. Les entraînements à Montreuil, c'est des entraînements qui sont quand même assez durs et intenses. Du coup, bah, on a quand même hâte de rentrer dans la compète pour pouvoir nager déjà et aussi pour Sophie. Tous les entraînements, on est là, depuis ce matin, on est depuis 8h hier jusqu'à 16h30, donc ça fait des bons blocs et c'est dense, très très dense.